Jing, roi des bandits. Des bandits. Vous ne devriez pas considérer les pendules cassées comme des avertissements, mais plutôt comme l'espoir d'un futur libéré de la tyrannie du temps. Qu'est-ce qu'il entend par voler le temps? Et il se fait appeler le roi des bandits. Ce soi-disant roi des bandits, il croit qu'il peut venir voler le temps comme ça au nez et à la barbe des gardes? Franchement, maître, ce n'est pas sérieux. Toi et tes hommes, vous allez régler son compte à son fouineur de corbeaux. C'est un ordre. Vous nous donnez un ordre officiel, c'est ça? Je rêve, vous avez bien dit ordre, hein? Enfin, maître, vous savez très bien que quand il s'agit de régler son compte à un fauteur de troubles, on est toujours prêt à vous rendre service. Ah! Hors de ma vue, imbécile! Vous pourrez vraiment me débarrasser de ce roi des bandits? Épisode 4, Adonis, la capitale du temps, deuxième partie. On dirait qu'ils se sont enfin mis en mouvement. On devrait accélérer le mouvement avant de ne plus rien pouvoir voler. Je croyais t'avoir envoyé un mémo précisant qu'il valait mieux attendre d'être accueilli par leur comité de bienvenue. J'ai dû ranger ton mémo dans ma gigantesque file de paperasse. Et ça ne te dérangerait pas si j'engage moi-même les négociations? Le voilà, le comité de bienvenue. T'inquiète pas, l'oisillon, je suis juste derrière toi. Jing, la tour de l'horloge est pas par là. Tu vas où? Ma petite tourterelle, où tu te caches? On n'arrivera pas à passer les portes à cause des gardes. La seule façon d'entrer dans la forteresse du maître du temps, c'est d'arrêter l'horloge. Alors c'est ça que tu appelles voler le temps? On les a semés. Reviens ici, mon petit piaf préféré. Je peux suivre tes jolies petites plumes à la trace. On doit arrêter ça, c'est la source d'énergie de la ville. Oui, mais comment? Et c'est pas de ça dont Posty nous parlait? On doit contrôler le sable avec la poudre magique. La poudre magique? Quand votre roi des bandits dit qu'il peut voler le temps et tout, il se prend pour un dieu, c'est ça? Non, moi je pense qu'il va utiliser la magie ou la sorcellerie. C'est pas pour toi. Pourquoi? Jing n'est ni un dieu ni un sorcier, c'est un être humain normal comme vous et moi, d'accord?
Et en plus, je lui dois la vie. Ce qu'il fait peut être illégal, mais il est unique. Je le trouve adorable. Ouais, mais reconnais quand même qu'il a cassé les horloges. Et puis ça rime à quoi, toutes ces conspirations? Mais, capitaine, t'en penses quoi? Il me rappelle le garçon que j'étais à son âge. Oh, capitaine, vous vous souvenez? Autrefois, vous n'aviez que ces mots à la bouche. Vous disiez, même sans horloge, le soleil se lèvera. Même sans horloge, le soleil se lèvera. C'est vrai. Ils ont probablement échoué dans leur entreprise. Tu n'es qu'un beau parleur, roi des bandits. Tu dis vouloir voler mon temps, mais tu es effrayé par ce que tu as découvert, parce que tu sais ce que moi j'ai l'intention de te dérober. Hein? Hé, mais on peut savoir ce qui se passe ici? Je ne sais pas. Les horloges de la ville se sont arrêtées de tourner. Qu'est-ce que le roi des bandits voulait dire par voler ton temps? Non, il n'a pas pu. Chapeau pour ton plan. C'est pas une mauvaise idée de laisser s'envoler les graines des fleurs qui font fonctionner le mécanisme de l'horloge. Oui, mais si on finissait ce que nous avons commencé? Guerre royale! J'ai plus assez de corps. Guerre royale! Tu t'en sors? J'y suis presque. Oh non! Tu as réellement volé le temps, Jing? Mais pour être franc, je n'en attendais pas moins du fameux roi des bandits. Vous êtes tous là, capitaine. Mirabel! Heureusement, j'ai toujours un double sur moi au cas où. Désolé, moi je suis le roi des blagues à deux balles. N'y prête pas attention surtout. Tant que ça nous permet d'entrer, merci beaucoup. Je m'excuse. Je me sens coupable à cause de... la façon dont je t'ai traité. Tu m'as ouvert les yeux et grâce à toi, j'ai retrouvé toutes mes anciennes... Bref, merci beaucoup. Oh, regardez! Le soleil se lève! Sans même que ces maudites horloges ne soient là pour le lui rappeler. Cocorico! C'est Jing, c'est plutôt rare pour moi de prendre ma dose quotidienne de baston avant le petit-déj. Garde-en pour la suite. Thank you.
Je n'arrive pas à croire que le maître du temps ose souiller les raisins sacrés. Il faut l'arrêter. Heureusement, les vignes ne sont pas toutes sous son emprise. Oh, je les vois. Elles sont là. Magnifique. On dirait presque que les raisins sont faux. Alors, ce sont ces raisins que tu recherchais? Comment ça? Ils fabriquent le temps dans lequel nous vivons, de la même manière qu'une machine fabrique un objet. Ce sont les raisins du temps. Il suffit d'en posséder un seul pour échapper aux contraintes du temps. Son vin est le plus pur. Il est inestimable. Les grains grossissent au soleil. Ensuite, leur goût va s'affiner au clair de lune. C'est le seul fruit 100% naturel que l'on trouve ici. Je suis sûre qu'il est aussi délicieux que magnifique. Il n'aurait pas pu survivre à toutes ces tortures, sinon... Bien sûr qu'il est bon. Le raisin pousse et mûrit grâce aux graines de la liberté. Oh. Vous avez osé arrêter le temps à Adonis. Le temps m'appartient. Jing, roi des bandits. Défaire les tresses de Mirabelle, assassin! Je ne me préoccuperai plus de sa vie à ta place. Il faut qu'on lui trouve un endroit où la mettre à l'abri. Et vite fait. Elle revient à elle. Tu seras en sécurité ici. Oui, d'accord. Ne t'en fais pas, ton fidèle serviteur est là pour te protéger. Je le jure sur ma vie et sur celle de Jing. C'est très gentil, merci. Pas de quoi. Où est-ce que tu te caches, voleur amateur? C'est parti. Mais nous n'étions pas en train de nous cacher. Je vois. Vous n'êtes pas sans savoir que nous nous trouvons ici, au dernier étage de la tour de l'horloge? Ouais, on sait. Dans ce cas, vous savez également que c'est le dernier endroit que vous verrez avant que je ne vous envoie en enfer! Jing et Kir. On essaye de m'échapper. Vous avez beaucoup d'énergie. La récré est finie. Montrez-vous. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ferme tous les volets tout à coup? Tu ne pourras rien contre moi dans une obscurité pareille, gamin. Ce n'est pas la peine de perdre votre temps en essayant de synchroniser vos battements de cœur. Ça ne marche jamais avec moi. Espèce de radigou! Plus un geste! Vas-y, règle son compte à cette saleté de piaf. Cette bestiole ferait presque pitié. Quelle idée de mêler un stupide canari à des choses sérieuses. Tu n'as pas les compétences requises pour élever un animal aussi insignifiant soit-il. Chérie, envoie un baiser à notre ami. Et alors, tu es à court de cachette, petit vaurien? Eh, on dirait. Ton heure est venue, gamin.
Qu'est-ce que c'est? Je n'entends plus son cœur. Oh, comme le temps passe vite! C'est déjà midi! Chérie! Où est-il? Chérie, réponds-moi! Chérie! Où es-tu? Chérie! Il faudrait peut-être qu'elle change de coupe de cheveux, tu ne crois pas? On pourrait lui faire une coupe punk, du genre iroquoise, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Comment? Chérie! Où est-ce que tu vas? Ne pars pas! Au revoir, je vais me chercher un maître un peu plus consciencieux. Ton incompétence me navre. Chérie! Tout est fini. Je ne peux plus rien faire, tout est fini. Rien n'est fini. Au contraire, tout ne fait que commencer. Qui êtes-vous, cette voix? Ton travail ici est terminé. Pour te récompenser, je vais faire de toi mon serviteur. C'est quoi, ce truc? On en parlera au capitaine et aux autres rebelles. Ce n'est pas à nous de le découvrir. Tu as raison. Le démon du temps! Si c'est vraiment le démon du temps, le vieil homme de l'autre jour avait raison! Je n'aurais jamais pensé qu'il disait la vérité, mais maintenant... Kir, je vais avoir besoin de toi! Ouais! Qu'y a-t-il? Regarde les fleurs! Les fleurs... Waouh! Écoutez-moi tous! On oublie les horloges et on fait la fête! Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas été aussi heureux, hein? Ça fait du bien de se détendre. T'as raison, c'est trop cool. Hey, vous n'avez pas vu Jing dans le coin? Non, mais ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, en tout cas. Où est-ce qu'il a bien pu aller?
Je vais demander à Mirabelle, elle doit le savoir. Hé, Mirabelle ! Quoi ? Non, il n'est pas là. Il est reparti. Oh, c'est bon, ce raisin est meilleur que ce que je pensais. C'est le bon goût de la liberté. Et maintenant? Oh, t'inquiète pas, tu la reverras. On repassera sûrement dans le coin. On ira lui rendre visite. Oui, volontiers. On pourrait venir manger du raisin et on l'inviterait à boire un coup, ce serait génial. Entre-temps, j'espère qu'elle ne m'oubliera pas. Ça me briserait le cœur en mille morceaux. Hé, Jean, attends-moi! Notre prochaine Jean Girl sera une jeune femme dont la beauté rivalise avec les œuvres d'art les plus magistrales. Mais elle est également très sensible et vulnérable, alors il faudra en prendre très grand soin, c'est clair. Dans le prochain épisode, on verra la petite fille de la ville multicolore. Il faudra que je sois très attentionné avec elle. Mais pas trop quand même, hein.